Oui, bonjour à tous. C'est un petit peu particulier, vous avez vu, le cadre est particulier. Je ne suis pas chez moi. Et surtout, il y a un petit bruit de fond, je m'en excuse. On est là aujourd'hui pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2023. Je voulais absolument faire ce pronostic quand même, parce que même si je pourrais pas regarder le champ direct et que honnêtement, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas suivi les shows hebdomadaires, enfin, je suis les résultats, mais j'ai pas pu regarder. Voilà. Faut savoir que ce SummerSlam me hype énormément et je vais mettre une semaine avant de le regarder, voire peut-être deux. Ça va être un petit peu compliqué, donc vous n'aurez pas la vidéo résultat tout de suite du tout. Mais je tenais à faire cette vidéo, qu'on aussi qui sera sans cut, qui sera sans montage. C'est pas grave, on va bien s'amuser. Vous avez vu, la miniature est belle, mais c'est tout ce qui est beau dans cette vidéo. Donc, sur les 8 matchs annoncés, il y en a 7 qui me hype vraiment beaucoup. Alors, je tiens quand même à dire au début qu'il y a plusieurs noms qui sont absents, genre le match Becky Lynch, Trish Stratus, pardon, je suis fatigué, n'a pas lieu à SummerSlam, mais aura lieu en weekly, je crois. C'est un petit peu dommage et surtout c'est un petit peu étonnant. Personnellement, ça aurait été le match que j'aurais le moins attendu s'il avait été à ce SummerSlam, mais je pense qu'il aurait quand même eu sa place, donc c'est un petit peu étonnant. Rhea Ripley, Raquel Rodriguez s'est gardé pour plus tard, je ne sais pas pourquoi. Et Austin Theory, qui est le grand absent de ce début de cycle, on va dire, il n'est pas là souvent. Voilà. Bref, c'est les 3 matchs pour moi qui manquent sur la carte, mais on ne pouvait pas tout mettre. Et ouais, sur les 8 matchs qui sont annoncés, il y en a 7 qui me hype énormément. Le match qui me hype le moins, c'est la Battle Royale. À quoi ça sert? C'est une Battle Royale sponsorisée. Donc, c'est juste pour voir LA Knight gagner. Voilà, je pronostique LA Knight. J'espère qu'on va avoir du Johnny Gargano. J'espère qu'il va même être beaucoup mis en avant. S'il peut aller jusqu'en finale, c'est bien, même si un jour, il faut que le projet se lance. Il est en train de perdre à Main Event, de ce que j'ai compris. Voilà, Johnny Wrestling, où es-tu? Victoire de LA Knight. Je pensais pour que le public voit un maximum de catcheurs à SummerSlam, sans grandes attentes. Mais là, on rentre dans les matchs qui commencent à me hyper. Le match qui me hype le moins quand même, le 7e match qui m'a le moins, c'est Shayna Baszler, le 6e match qui m'a le plus, pardon, Shayna Baszler contre Ronda Rousey. C'est un MMA fight, je crois, c'est cool, genre c'est les deux meufs qui viennent du MMA, elles vont s'en mettre plein la gueule. Shayna Baszler en face, ça marche. En fait, c'est pas Shayna Baszler en face qui marche, c'est le fait que Ronda Rousey soit encore plus huée. Ça, c'est logique, c'est normal. Donc le match, je l'attends plutôt bien, je vais pas m'éterniser, vous comprenez bien, vu la situation, sauf que je ne suis pas seul dans la chambre, mais Shayna Baszler, Ronda Rousey. Ça va être un très bon match, je pense. Qui je vais voir gagner? Bah, en fait, il y a des rumeurs comme quoi Ronda Rousey serait sur son dernier run. Du coup, je pense qu'elle veut mettre en avant son amie avant de partir, qui elle va rester. Et en même temps, si jamais c'est le premier d'une rivalité, est-ce que c'est un one shot ou pas? Ce serait beau que Ronda Rousey perde clean, que Shayna Baszler gagne vraiment par soumission. Ce serait beau. Donc, je vais pas m'éterniser. Victoire de Shayna Baszler. Dans tous les cas, je pense que ce match sera plutôt bien, même si c'est celui que j'attends le moins. Le vrai match que j'attends le moins. La Battle Royale compte pas. Le 6e match qui m'a hype le plus, c'est Charlotte Flair contre Asuka contre Bianca Belair. À partir de là, il faut dire que les matchs m'ont hype énormément. C'est-à-dire ce match, il aurait pu clairement être dans le top 3 des matchs que j'attends le plus. C'est juste qu'on a une carte exceptionnelle, je trouve. Faut savoir que c'est limite un dream match. Ça veut dire Asuka, Charlotte Flair et Bianca Belair dans un même match. Si jamais ils gèrent bien le triple threat, ce qu'ils arrivent souvent à faire quand même, ça peut donner un match extraordinaire. Et surtout, le titre d'Asuka n'a jamais été autant en jeu parce que Bianca Belair est une championne, a été l'ancienne championne qui avait eu le cycle plus long d'Euro, je crois, championne d'Euro. Et Charlotte Flair est la queen, vous imaginez bien. Et il y a Io Sky qui traîne dans les parages. Donc là, Asuka est vraiment dans la merde. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura de cash-in. Peut-être qu'il y aura un essai, mais ça se fera pas. Parce que moi, je pense que le cash-in arrivera plus tard et que Bayley fera un heel turn, alors qu'ils sont déjà heel, hein, mais fera un heel turn sur Io Sky et que Io Sky perdra la mallette à cause de Bayley. Et Io Sky gagnera peut-être plus tard le Royal Rumble et aura la gloire qu'elle mérite. Je pense que Io Sky va rater sa mallette à cause de Bayley, mais que ça va pas la mettre 6 pieds sous terre, qu'elle va réussir à rebondir. Après, peut-être que le cash-in peut arriver là et perdre, et genre elle affronte Bayley avant de gagner le Royal Rumble. Tout est possible, mais je pense que le cash-in va plutôt être masculin, donc je ne le pronostiquerai pas là, et qui va gagner. Charlotte qui bat Asuka. Pour moi, Charlotte devient championne en battant Asuka, en battant la championne. Comme ça, Bianca Belair est protégée. Et la fille Charlotte Bianca Belair est protégée. Asuka va encore servir de paillasson. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis vraiment triste pour la division féminine parce que, comme je vous l'ai dit, les deux championnes, enfin les deux championnes, Rhea Ripley et les tags féminins ne sont pas là. Et Trish Stratus Becky Lynch, qui est la grosse rivalité féminine, n'est pas là non plus. Donc franchement, la division féminine, c'est un plutôt gros défaut. On va continuer le 5e match du coup qui m'hype le plus, c'est Gunther contre Drew McIntyre. Faut savoir que je suis énormément hype par ce match et qu'il y a moyen que ce soit le show stealer, vraiment à 100%. Cependant, le fait que Drew McIntyre il soit moins présent, alors c'est parce qu'il est sur le tournage d'un film, etc.
ça me fait moins en moins croire à lui. Alors, le peu de choses, de contacts qu'ils ont eu étaient exceptionnels. Vraiment, ça donne grave envie de voir la suite. Mais là, Gunther, il est à quelques semaines d'avoir le record mondial intergénérationnel du titre intercontinental de la possession. Donc, le faire perdre. Alors, McIntyre, c'est clairement celui qui peut aller le prendre. En plus, il mérite un titre. McIntyre, il a l'air d'avoir re-signé, d'après ce qu'on a compris. Donc, ouais, pour moi, c'est. De toute façon, le match, il y a moyen que ce soit le show stealer. Il va être exceptionnel. Qui je vais voir gagner? Je vais être boldy et je pense que Gunther va gagner. Il y a possibilité que McIntyre gagne, que Gunther aille affronter Seth Rollins si Seth Rollins est encore champion. Donc voilà, c'est pas impossible que Gunther perde, surtout contre McIntyre, il serait vachement protégé. Parce que McIntyre c'est pas n'importe qui. Mais pour moi je parie une victoire de Gunther et McIntyre. Le fait qu'il ait pas été là, ça m'a moins donné envie de voir ce match et ça m'a moins donné envie de le voir gagner. C'est un petit peu dommage. Le quatrième match qui me hype le plus, c'est Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Ce match aurait pu être bien plus haut. J'ai une légère déception sur le fait que, alors actuellement, quand j'enregistre, le SmackDown n'est pas encore arrivé, mais pour le moment, il n'y a pas de stipulation alors que c'est la belle. C'est un petit peu dommage. Et ouais, il n'y a rien de nouveau. J'espère que ça va être leur meilleur match des trois. Sachant que leur premier était plutôt cool sans plus et que le deuxième était moyen bien, quoi. Ça veut dire, ça a mis en avant Cody Rhodes, pas Brock Lesnar. Victoire de Cody Rhodes, c'est lui qui doit gagner la rivalité. De toute façon, même quand il perd, il gagne. Donc, victoire de Cody Rhodes. Ça aurait été une rivalité pour passer le temps. C'est bien que ça se finisse à SummerSlam. Est-ce qu'on va revoir Brock Lesnar vraiment bientôt? Je pense pas. Je pense qu'il va partir en vacances. C'est la fin de la rivalité, donc j'attends quand même beaucoup ce match. Mais il aurait pu être encore plus exceptionnel, je pense, dans mes attentes. Troisième match qui m'a plu, oui je regarde là parce que j'ai tout marqué comme je filme. Ricochet contre Logan Paul, waouh, ce match sort un petit peu de nulle part. Enfin il y avait eu des teasings après Money in the Bank parce que dans les coulisses ils se frappaient etc. Il y avait eu du teasing mais les bastos qui s'envoient sont très cool. La dernière réplique de Logan Paul qui disait que Samantha Irvine qui est du coup la femme de Ricochet, j'espère que ça embêtera pas trop Ricochet quand elle dira que Logan Paul a gagné. Voilà, c'est des titres cool, en plus il a vraiment une gueule de connard. Ricochet, t'as l'impression qu'il est un peu plus mis en avant, il n'y a pas besoin d'un personnage exceptionnel, enfin le personnage de Ricochet est cool mais il est simplet, donc il est simple, et du coup voilà, il n'y a pas besoin de ça, je pense que ça va être un très très bon match, et je trouve que l'affiche est belle, je trouve que c'était une bonne idée de mettre les deux, niveau in-ring ils sont vraiment vraiment excellents. Tu sens qu'il y a une mini part de respect quand même dans cet affrontement. Quand Logan Paul il dit que oui, effectivement, Ricochet c'est probablement le meilleur flyer de WWE. Après, il en rajoute une couche en disant que maintenant je suis là, donc non. Mais voilà, tu sens qu'il y a peut-être il y a une petite couche de respect. Et c'est très très cool. Victoire de Ricochet. Il faut absolument pas que Logan Paul gagne. Logan Paul est là en tant que très bon catcheur, mais il est là pour mettre en avant de vrais catcheurs du coup. Et Ricochet, ça fait tellement longtemps qu'il attend que. Pour moi, Ricochet doit gagner le Royal Rumble, mais. Est-ce qu'un jour Ricochet aura vraiment un push? C'est la question qu'on peut se poser. Deuxième match qui m'a plu le plus, Seth Rollins contre Finn Balor. Ce match m'hype énormément parce que je pense qu'il va y avoir un cash-in. Il y a toute cette trame autour du Judgment Day qui on se trahit pas. Récemment, ils ressentent sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est hypé. Le match va être très très bien. Peut-être un nouveau membre dans Judgment Day, ça fait longtemps. Pour moi, il y avait un nouveau membre après WrestleMania. Je sais plus où j'avais passé l'info. On attend encore. Donc pour moi, il doit y avoir un nouveau membre dans Judgment Day. Qui ça peut être JC McDonough, je sais plus comment il s'appelle exactement, le mec que Finn Balor avait entraîné, qu'à un moment il l'avait espionné un petit peu en coulisses. Est-ce que c'est vraiment un projet pour le Judgment Day? Je sais pas, mais moi je pense qu'il va y avoir un nouveau moment de Judgment Day, Finn Balor va gagner, et Damien Priest va cash-in sur Finn Balor, et ça partira sur une rivalité. Peut-être un triple threat, Finn Balor, Damien Priest, Seth Rollins. Moi je dirais pas non, pour que Damien Priest en plus il batte Finn Balor et qu'il conserve sans que Seth Rollins soit trop perdant. Voilà, pour qu'il reste fort. Donc pour moi c'est clairement une proposition. Je pense qu'il va y avoir le cash-in et je pense qu'on va avoir deux nouveaux champions et du coup ça ferait la belle histoire parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau membre dans Judgment Day, il y en a un qui part, Finn Balor va partir Judgment Day s'il se fait trahir et Finn Balor aura encore eu un règne extrêmement court. C'est triste pour lui, hein. Moi j'aurais préféré que Finn Balor soit à la place de Damien Priest dans toute cette histoire, mais Damien Priest mérite aussi et je pense que ça va être un excellent match. J'avais été pas un petit peu déçu, mais j'en attendais beaucoup beaucoup mieux. Le match était très bon mais pas exceptionnel alors que c'est deux légendes du catch qui s'affrontent. Donc voilà, j'espère que le match en tout cas en solo avant tout le surbooking va être bien. Et en dernier match, Roman Reigns contre Jey Uso. Je me demande si c'est vraiment la fin de la guerre parce qu'il y a Solo Sikoa qui traîne. En vrai j'ai envie de vous dire, jusqu'à très peu je pensais que Jey Uso pouvait gagner et allait gagner. Je pensais que Solo Sikoa allait venir, il allait mettre une mandale ou deux. Genre il choisit aucun camp, c'est-à-dire qu'il va être chef tribal aussi. Il met une mandale à Jey Uso, Roman Reigns il est tout content, il met une mandale à Roman Reigns. L'arbitre intervient, donc t'as les deux catcheurs au sol, tu demandes ce qui se passe. Et là je sais pas, Jimmy Uso revient pour aider son frère ou je sais pas de quelle manière ça serait. Mais que
Roman Reigns perde encore une fois clean, mais perde son titre cette fois-ci. Après, est-ce qu'on va quelque part avec un Jey Uso champion? C'est ça ma question. Les pronostics disaient que Roman Reigns serait champion jusqu'en 2024 pour WrestleMania. Donc est-ce que c'est le moment de le faire perdre? Pour moi, encore une fois, Roman Reigns doit perdre, et c'est ce que je dis depuis 3 ans, c'est pour ça que je voulais pas que Cody Rhodes gagne contre lui, je voulais pas que Drew McIntyre gagne contre lui. Roman Reigns doit perdre vers un nouveau catcheur. Pour moi, c'est un Ricochet, un Pidon, un truc comme ça, pour vraiment le mettre en avant au rang de star. Si c'est Jey Uso, bah qu'est-ce que vous voulez, pourquoi pas, hein. Jey Uso, en tant que catcheur solo, il complète facilement la tâche. Et surtout, Jimmy Uso avait dit en interview, ou je crois que c'est un des Uso qui avait dit en interview que pour lui, son dream match était d'affronter son frère à WrestleMania. Pourquoi pas en main event, évidemment, quand il y a WrestleMania, pourquoi pas viser le main event. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que Jey Uso gagnerait pas? Il y aurait encore une petite guerre avec Solo Sikoa, etc. Et quand on pense que la guerre est officiellement finie, que Roman Reigns est officiellement battu, Jimmy Uso attaque son frère et on se dirige vers une route de WrestleMania en avril prochain. Jimmy contre Jey Uso, titre indisputé. Ça peut être une histoire. Et si jamais ils veulent raconter cette histoire-là, c'est à SummerSlam que Roman Reigns opère ce titre. Il a atteint les plus de 1000 jours, etc. Il n'a pas besoin, pour moi, de conserver encore plus. Donc pour moi, il y a clairement un monde où Jey Uso gagne. C'est pas un fantasme, c'est possible. On va avoir du surbooking comme d'habitude. Est-ce qu'on va avoir un retour de Randy Orton? Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de gros retours. Après, l'année dernière, il y en avait eu. J'aimerais des grands retours, mais qui? Si c'est pas Randy Orton, qui est-ce qu'on attend? Ça se trouve, j'oublie un nom ultra important. Mais voilà, donc... En fait, j'ai du mal à y croire, donc je vais dire résultat, encore une fois une clim, résultat Roman Reigns. Mais pour moi, je pense que Jey Uso a autant de chances de gagner que Cody Rhodes à WrestleMania, niveau pressentiment. On était quasiment sûr que Cody Rhodes allait gagner, à 80% j'étais sûr, il a quand même perdu. Je pense que Jey Uso à 70% il gagne là. Voilà, c'est à peu près le même taux. Et voilà, bon, j'avais tout noté sur des mouchoirs, vous vous rendez compte, c'est vraiment la crise ici. Et bah merci d'avoir vu cette vidéo, si jamais vous êtes là, merci beaucoup parce que le son doit être ignoble et parce que c'est pas une vidéo que je fais d'habitude. Mes autres vidéos sont vachement travaillées, hein, n'hésitez pas à aller les faire. Et nous on se retrouve du coup dans très longtemps pour les résultats. J'essaierai de le voir en live, sinon je peux pas ouvrir mes réseaux sociaux pendant longtemps. Et voilà, regardez du catch, allez au cinéma et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Aquapro. Ciao tout le monde.